Je vais ouvrir ce paquet avec vous. Hein, on va regarder ensemble, on va le découvrir ensemble. C'est un jeu que vous connaissez certainement déjà. Hein, ça fait longtemps qu'il a été publié. Donc voilà. J'ouvre. Suspense. Le Urban Tarot. Alors, je ne vous fais pas de review sur ce jeu parce qu'il y en a déjà 40 000 sur YouTube et que ça ne sert à rien que j'en refasse une de plus. Surtout que j'aurais pas pu vous la faire parce que c'est un système de Tote. Hein. C'est un système que moi, je ne connais pas. C'est mon premier jeu avec le système de Tote. Donc, voilà, il faut savoir que moi, je travaille toujours avec le Rider-Waite avec mes clients et le tarot de Marseille pour moi. Hein. J'utilise le Rider-Waite pour les clients parce que c'est plus facile pour leur expliquer. Ben voilà, donc il y a les scènes de vie, etc. Donc voilà. Et ici, ben, je vais me plonger dans cet univers, hein, cet univers de New York, cet univers du système de Tote. Voilà, donc je vais découvrir un petit peu ben, la symbolique, c'est quoi qui change, etc. On verra bien. Affaire à suivre. Et puis voilà, bah surtout je voulais vous dire que les arcanes sont toutes mélangées, donc je les ai pas remises dans l'ordre, mais ne soyez pas perdus hein, quand vous voyez les dessins défiler, c'est normal. Et puis oui, parce que je vous ai pas attendu en fait. Quand j'ai ouvert le paquet tout de suite, je l'ai mélangé, voilà, donc j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai dû farfouiller dedans. Voilà. Et puis sinon, que dire, bah, c'est un jeu qui a été dessiné pour les personnes LGBT. Et moi aussi, ça me tenait à cœur au moins d'avoir minimum un jeu pour les LGBT. Bah, pour quand je les reçois en consultation, au moins, voilà, ils se sentent un petit peu, peut-être un peu plus à l'aise. Donc voilà, c'est important pour moi. Mais c'est vrai qu'en regardant les images, ben... Bah, franchement, je vois pas trop c'est quoi la différence, quoi. Je veux dire, y a vraiment pas grand-chose, quoi. Moi, ça m'empêche pas de l'utiliser pour moi, en tout cas. Donc là, vraiment, j'ai hâte, quoi, de travailler avec. Et puis, quand je me le serais vraiment approprié, ben, je pourrais vous faire des guidances intemporelles avec. Hein. Donc voilà, mes petits chats. Je vous laisse regarder donc la suite des images. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bisous, tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à me donner votre avis hein, dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez aussi. Voilà, allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. J'avais vraiment envie de vous partager toutes ces images, ces illustrations, ces dessins, je les trouve tellement beaux que j'avais envie de vous les montrer, voilà.
pour toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce jeu-là, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les reviews, n'hésitez pas à le commander, donc vous ne serez pas déçus. Surtout parce que c'est des scènes de vie aussi complètement différentes des tarots classiques, et ça va vraiment vous apporter de nouvelles perspectives d'interprétation. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde!